Hey, bonjour à tous, ici Boufan pour une nouvelle partie de Hyrule Warrior. Et aujourd'hui, nous allons donc dans le scénario, c'était quoi? La sorcière de la vallée noire. Et aujourd'hui, nous choisissons Lana avec son petit grimoire. Ouais, bah, l'ordinateur, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu souffles autant? La résistance de la forêt Firon était menée par la Fifi. Elle appartenait au même clan que Sial, celle qui avait invoqué les monstres. Lana combattait l'armée depuis qu'elle était apparue. Le but de Sia était de reconstituer la Triforce pour s'en servir pour conquérir Hyrule. Pourquoi est-ce qu'elle veut l'utiliser pour conquérir Hyrule? Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle est possédée. Parce que si c'était juste pour conquérir le cœur de Link, voilà, ça va. Enfin, ça va, c'est facile. Chaque jour, on voyait de créatures apparaître et déferler. Voilà, l'absence de Zelda était regrettable. Seule option, enrayer l'invasion des monstres enfermant les portes des âmes. Les héros se mirent en route vers la vallée de la sorcière afin de mettre un terme à cette guerre. Ok, du coup, aujourd'hui nous battons avec Lana. Ah, Lana! Ah, j'avais jamais remarqué que c'était une main, ce truc. Lana. Alors, Lana, qu'est-ce que je peux dire de ce personnage? J'aime bien le personnage. Niveau gameplay, je suis pas convaincu. Par contre, quel que soit le gameplay. Oui, parce que c'est peut-être un peu du spoil, mais bah, ce personnage va avoir trois armes, quoi. Donc. Alors, il est où le méchant? Du coup, aujourd'hui, nous devons chercher un quart de cœur pour notre petit Sheik et pour la petite Lana. Je ne peux pas encore faire confiance à Sheik. Oh, elle est pas beau jolie. Bon, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait avant parce que je suis peut-être un peu énervé. J'ai essayé de continuer un peu la map aventure. Voilà, et du coup, bon, c'était peut-être pas une bonne idée, mais j'ai voulu faire une mission avec un boss que je déteste, que je veux plus jamais revoir dans Hyrule Warrior, que je veux plus jamais revoir tout court. Je le déteste. Non, mais sérieusement, ce boss, même s'il est pas au niveau des pires choses qui peuvent arriver dans un jeu, genre les boss qui ont 4 milliards de PC dans les RPG, des choses comme ça. Genre dire le banni, il est vraiment terrible. Et oui, c'est le banni, ce terrible banni. Et du coup, j'ai voulu faire cette petite mission, voilà. Sauf que, ben, voilà, vu que j'ai pas le niveau, bah voilà, c'est une catastrophe, quoi. Non mais meurs la sentinelle, laisse-moi tranquille. Non! Ce chevalier dragon, il est trop puissant. Link, t'es où d'ailleurs? Où est Link? Je vois Sheik. Je peux contrôler Sheik. Bah, on va contrôler Sheik. Impa, où es-tu? Ah, c'est super joli la flèche rouge. Rouge rosé comme ça, violet, c'est super joli. J'aime. Je savais pas que Volga était un goron. Volga le goron! Non mais veux-tu mourir, petit Volga? Hé, Volga, meurs! Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être faire une mélodie de l'eau. Oh, le gros troll, je te déteste, Volga! Ah non, mais j'aime pas Volga, il est méchant. Ah, Link, il est dans la base, ok. Hey Link, le flemmard, tu laisses les filles faire tout le travail? Quand je disais que c'était Link le flemmard. Link de la frime. Non, mais laisse-moi tranquille, Volga, sérieux. Ah, mais il est terrible, mais qu'est-ce qu'il a? Manger du lion, là. Ou du dragon.
Ha! Désolé, cette blague était nulle. Bah oui, mais je veux bien, mais il est méchant, le vilain Volga, là. Je comprends rien. Je comprends rien. J'ai tué Volga, ça va. Mais par contre, t'as plus beaucoup de vie, Shek. C'est bête pour toi. Ok, il y a un chef d'assaut. Bah, on va le détruire, le chef d'assaut, du coup. Allez, au revoir, chef d'assaut. Impa, tu veux pas être contrôlable? D'ailleurs, oui, c'est vrai, je devrais jouer un peu avec Lana, vu que c'est le personnage du jeu. Il y a des tentacules! Nous ne pouvons rien faire! Ah bah ça va, Link, il a commencé à bouger. C'est bien, Link. Les murs de tentacules, ils sont méchants, tu peux pas encore les affronter. Ah ah! Qu'est-ce que vous faites planter devant l'entrée? Bah c'est pas gentil de se moquer de nous. On n'y peut rien. D'ailleurs, monsieur, t'as bugué? Oui, et du coup, pour revenir sur le banni, genre dire, je déteste le banni. En plus, il est accompagné de mini-banni, mais... Non, mais je sais pas. Si les gens ont des conseils pour bien les battre, sans trop de perte de vie, je prends volontiers. Parce que bon, voilà, à part remplir totalement la jauge de spécial et l'utiliser pour faire tomber le banni, je vois pas trop... Une tactique facile. Oh non, Impa, perdu plein de vie. Aïe! Ah bah pour la peine, je vais faire des murs, bien fait. Voilà, bien fait pour vous. Vous avez qu'à pas me chercher. Attention, une partie des forces ennemies se dirige vers l'ingénieur. Non! Il a fait tous ses diplômes pour rien! Il faut aller l'aider. Eh, je... c'est vrai qu'on doit chercher un coffre, en fait. Non, c'est pas un coffre. Où vas-tu, toi, monsieur? Retourne dans le champ de bataille. Ah bah, pour la peine, voilà. Vous m'avez énervé. Je m'occupe des ennemis à l'ouest. Pendant ce temps, abaissez le pont. Ok. Bonjour, Shek. Ouais, il y a trop de bruit. Ça fait un mix assez bizarre. Oh. Link. Va chercher la sculpture là. Alors. Où est-ce qu'elle est par contre? Ça, j'en ai aucune idée. Je vais un peu me taire pour essayer d'entendre. Mais normalement, si elle n'a pas bougé... Ah bah, elle est là-bas. Oui, c'est bien ce que je me disais. Tiens, d'ailleurs, Link, t'as la baguette de feu. Bah, parfait, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il fait, l'ingénieur? Lana, Lana, va aider l'ingénieur. Voilà, le Dark Nut. Noisette des ténèbres. J'aime pas les noisettes, en plus. Non, mais j'aime pas les... tout ce qui est des noix et tout ça, je supporte pas. C'est horrible. Genre dire, une fois j'ai mangé des cacahuètes, c'était terrible. Je déteste ça. Je peux pas. Laissez notre ingénieur tranquille! Laissez-le faire son boulot! Voilà! Allez, ingénieur! Il est où? Allez, ingénieur! Voilà! Non, c'est pas ton boulot! Toi, tu es fait pour abaisser les ponts! Non, mais il est bête là! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais viens, ingénieur! Mais allez, ingénieur!
C'est qui pleure? Faut pas pleurer comme ça, monsieur. Vous inquiétez pas, Link est là. Voilà. Je vois pas pourquoi vous pleurez, monsieur. C'est pas très courageux de votre part. Alors. Bon bah, en attendant que l'ingénieur il veuille bien bouger. Parce que bon, c'est bien, j'ai bien travaillé sur les... sur les monstres, mais sauf que l'ingénieur, il a pas envie de bouger. Il a trop la flemme, là. Ah non, je déteste quand vous faites ça. Non, mais il y a tellement... Oh, ok. Oh, c'était trop difficile. Le pauvre. Non, mais il est sérieux? Mais qu'est-ce que tu fais, ingénieur? Mais arrête de t'affronter les petits monstres. Non mais sérieux, j'ai presque envie de le laisser mourir parce que franchement, il le fait exprès, là il nous cherche. Parce que là il nous cherche l'ingénieur. Allez, pam! Bah voilà, c'est... Non mais l'ingénieur, il le fait exprès, franchement. Il a essayé de mourir. Là, on a la preuve. Il a essayé de mourir. Il a fait exprès. Ouah, c'est un puissant fond que nous voyons. Bah voilà. C'était pas compliqué, monsieur l'ingénieur. Au lieu de vouloir affronter les monstres. Ce qui n'est pas du tout ton boulot. Non, on lance pas des épées dans l'ana. Quoi, tu oses m'attaquer? Tiens. On n'attaque pas la lana. La lana. Alors. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un coffre ici? Oui, mais c'est pas tout à fait ce que je cherchais. C'était juste pour des rubis. L'invocateur d'élite a rejoint le camp. Oui, mais non. Vous avez pas le droit, monsieur. Non. Vous avez pas le droit, monsieur. C'est interdit par la loi. Non, lézard, pulvérisez ceux qui sont dans les ruines. Ah bah j'ai pas accès. Ah bah mince. Ou alors c'est le chef de poste. Il est où l'invocateur d'élite en fait? Regardez, on va montrer un peu le menu. Alors, voyons. Il est où l'invocateur d'élite? Non, ça c'est Lézal, Dinol. Il est où? Ah bah il est juste en dessous. Ah bah alors ça va. Allez, viens te faire détruire. Voilà, meurs. Bah voilà, plus d'invocateur d'élite. Plus d'invocateur d'élite, plus de soucis. Ah non, mais Impa, tu vas mourir, sérieux. J'ai trop peur pour toi. Éliminer Dinol. Allez, c'est parti. Check, je compte sur toi. D'ailleurs, ça aussi, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est un peu plus logique que dans le jeu normal, mais... Que dans Hyrule Warriors, mais j'ai envie de dire... C'est dommage que dans Fire Emblem Warriors, tout le monde peut pas soigner tout le monde. Parce que du coup, ça force les gens à prendre une unité défensive qui est pas forcément très pratique. Ah, faut que je reçoive mes invités comme il se doit. Oui, j'ai tout vu, mais de toute façon, je comptais prendre ce fort, donc... genre dire que tu m'enfermes ou pas. Voilà. Il est où, le monstre? Non, c'est pas toi que je veux. C'est le chef de poste. Le chef de fort. Ah ah. Alors. C'est à qui?
C'est à Lana. Du coup, il manque juste le coffre de chèque. Très bien. Ah bah non, c'est le boomerang en fait. Ok. Bah... Du coup... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Parce que c'était quand même pratique le gamepad, parce que... Parce qu'on pouvait changer facilement d'objet. Alors... du coup... Non mais laissez Imp pas tranquille, non mais... De quel droit vous osez faire ça, Impa? Bande de moche. Impa, elle se moque de moi en plus. C'est pas gentil, je suis venu te sauver pourtant. Ah, je suis dans le pré-train. Les allées d'idole. Eh, hey, Impa, elle a pas peur quand même. Voilà. Eh, hey, ça se fait pas. Il m'a attaqué dans le dos, lui, là. Ah, merci, Impa. Merci pour ton soutien. Très bien. Bon, bah, du coup... Du coup, faut que je prenne... Non, c'était pas Impa, c'était... D'ailleurs, Impa... Voilà, presque plus rien. Mais c'est terrible. Bon, bah, du coup, check. Okay. Ah, mince, fallait détruire les gardiens de porte. Ah, bah, c'était pas très malin de ma part. Tiens, c'est moi ou la chanson, elle est pas comme je me souviens. J'ai l'impression qu'elle a des notes un peu cassées. Ah non, ça va en fait. Ah, c'était peut-être une pure impression en fait. Meurs. Voilà. Alors, check. Est-ce que ton coffre serait peut-être par ici? Non. On ne dirait pas. Non. Peut-être là en bas. Ah, il est peut-être dans le fort de Mademoiselle. Mademoiselle, la sorcière de la... La sorcière de l'Ouest. Allez, hop. Voilà. Plus de soucis. Bon bah du coup... Bah je pense que je vais monter en fait, tout simplement. Ça doit être en haut en fait. Allez. À moins que ce soit peut-être ici. Ah, ici peut-être. Allez, est-ce que c'est la libération? Ça doit être une sculpture là alors ça. Oui parce que ça c'est... Ça je l'ai pas dit d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que je ferais pas toutes les sculptures là. Parce qu'il y a une deuxième sculpture là et pour ça il faut refaire la mission et je pense pas que je vais refaire les missions. Juste un petit conseil, quand vous chercherez les deuxièmes sculptures là, ben elles disparaissent beaucoup plus vite donc faut tout de suite en occuper. Oh. Tiens. Le héros Link, je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Link. Oh. Deux. Je vois. Laissez-moi vous accueillir comme il se soit. Comme il se doit. Alors, comme thé. English breakfast ou thé vert? Ah bah va pour thé vert. Oh non. En fait, ce boss, alors c'est comment, c'est Manandla, ou quelque chose comme ça.
Bon bah voilà. Mandla. Oui, du coup, Mandla, il est aussi pénible, mais je pense que il n'y a pas plus pénible que le banni. Franchement, le banni, mais voilà, bannissez-le, le banni, parce qu'il est nul. Il est nul, pouce rouge pour le banni, quoi. Non, mais si vous voyez des gens qui disent le banni, il est trop cool, mettez-leur des pouces rouges, c'est pas gentil. Non, faites pas ça, franchement, mais genre, dire, c'est pas. Il est vraiment pas bien, le banni. Je déteste le banni. Bravo, Sheik. Voilà, nous pouvons enfin finir cette mission. Ok. Bonus d'union. Ah, on peut? Quand 4 personnages sont des liens sur monstre. Beaucoup plus important. Ah! Ah! Pas mal. Par contre, comment est-ce qu'on se réunit? Ça, c'est vraiment bien, en fait. Comment est-ce qu'on peut se réunir, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les... Dans peut-être... dans les commandes? Il n'y a pas un truc se réunir? Changer de personnage? Magie féerique. C'est quoi magie féerique? On va essayer. Ça ne sert à rien. Bon, ok. Bon, je pense qu'on va... On va prendre... Mademoiselle Lana, vu que c'est la plus proche. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à fusionner pour l'instant. Je peux peut-être pas, en fait. Tu vas voir. Je t'aime pas, Mandla. Et voilà. Et boum, coup de talon. Non, fais pas la danse! Ah non, mais c'est pour ça qu'il est pénible, Mandla. Mais je pense qu'il est quand même moins pénible que le banni. Parce que, genre, si on fait un peu attention, ça va. Bon, ok. Oh, il n'y a plus le bug. Oh, c'est trop triste. À l'époque, il y avait un bug, c'était... si on arrivait à en frapper 3, des fois, ça activait quand même le truc. L'animation. Non, non. Ça m'étonne. Ah, ok. Au revoir. Par contre, est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on fait pour fusionner? Faudra que je revoie le tutoriel, peut-être. Parce que c'est vrai que ça serait quand même super pratique si, si la jauge baissait plus facilement. Parce que dans Fire Emblem... dans Fire Emblem, c'est super pratique de fusionner les gens. Alors, toi, tais-toi. Ce n'est pas lui. Oh, c'est gentil, Impa. D'ailleurs, Impa, bois une potion. Voilà. C'est pratique quand même de changer de personnage. Je le dirai à chaque vidéo, mais c'est pas grave. Oh non, ce n'est pas le vrai. C'est normal, il est en bas. Ah bah non, c'était pas, c'était lui. Vous m'avez menti. Vous savez, c'est pas bien de mentir aux gens. Non, ah! C'est pas gentil. Vous êtes pas sympa. Ok. Oui, c'est ça. Montre-nous tes dents. Comme si ça nous faisait peur. Par les pouvoirs qui me sont concédés. Voilà, par les pouvoirs qui me sont conférés. Par les Magical Girls. Les dalles magiques.
Les murs magiques. Voilà. Coup de talon. Voilà, c'était facile. Haha. Vous pouvez rien contre Lana. D'ailleurs, je suis désolé, mais les personnages qui courent comme ça, c'est pas possible. Elle se la joue Naruto. Oh non! Que pouvons-nous faire? Et boum! Vous êtes tous maudits! Shaq, tu nous as menti! Ah, elle était en haut pendant tout le temps? Quoi, elle s'est cachée derrière un pilier en fait? Ah, je n'aurais pas cru que tu sois en possession de la Triforce de la Sagesse. Grâce à toi, j'ai rassemblé toutes les parties de la Triforce. Non! Nous avons perdu! Voici la véritable puissance de la Triforce! Non, Link, fuis! Sia, l'heure est venue de rappeler les fragments de mon âme qui ont été scellés par à travers le temps. Oui, les fragments de l'âme. Ouais, elle est pas contente. Non, c'est la fin du monde. Oh purée, ça rappelle un peu Smash Bros. Rassemblez-vous autour de moi. Par les pouvoirs qui me sont conférés. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient restés dans le truc? En tout cas là, eux, ils ont de la chance, mais... Et tous les soldats qui sont autour, ils seraient juste balayés en fait. Oh, la montagne de la mort. Et le monde du crépuscule. Regardez cette fusion improbable. Ouvrez les portes des âmes. Qui se trouve aux confins de l'univers. Alors le fragment de mon âme sera libéré. Ah ben c'est pas elle. Non. Non. Et une troisième fois, non. Mais c'est carrément l'émissaire subspatial là. C'est le retour. Oh. Non, ça va créer un trou noir et transformer tout le monde en trophée. Ah bah c'était facile en fait. Oh. Bon travail, Sia. Trois fragments de mon âme sont réunis. Il ne reste plus que la barrière du temps de l'épée sacrée. Du temple de l'épée sacrée. Tu dois pas rire, c'est pas drôle. La sorcière possédait déjà la Triforce de la Force. De Link, elle déroba la Triforce du Courage. La Triforce de la Sagesse était le trésor héréditaire de la famille royale d'Hyrule. Pourtant, c'est Shaq qui avait sa possession quand Sia nous attaqua. Mais c'est parce que la Zelda qu'on jouait, en fait, elle était pas sage. C'était une méchante. Méchante princesse. Les portails vers trois aires sont apparus. Lana expliqua qu'une porte des âmes avait été ouverte dans chacune des aires, et que c'était par ces portes que les monstres affluaient. En ouvrant ces portes, Sia avait libéré les fragments de l'âme maléfique scellés dans chacune des autres aires. La tâche qui incombait donc à nos héros, était d'emprunter chacun des portails et de les fermer. Une fois toutes les portes fermées, il serait temps de réparer les dégâts que Sia avait infligés au royaume. Le temps manquait aussi. Link et ses alliés se séparèrent-ils en plusieurs groupes pour s'occuper simultanément des portes. Et ils se jurèrent de fermer les portes.
quand même, il y en aurait certains qui se feraient troller, parce que, genre, dire, ceux qui vont à la montagne de la mort, c'est juste à côté, alors que ceux qui doivent aller dans le ciel, ils sont encore pour 3 siècles. Oui, plein de matériaux. Oh, un papillon. Et du coup, la prochaine fois, nous avons trois histoires différentes. Et... Bah, je pense qu'on va faire l'histoire de Ocarina of Time d'abord. Donc voilà. Et comme dit toujours, ce chapitre-là, on le fera à la fin du jeu. Donc voilà, la prochaine fois, on se retrouvera pour Ocarina of Time. Et d'ici là, portez-vous bien et salut à tous! Ah mince! Du coup, on n'a pas trouvé le fragment de Lana. Bah, c'est pas grave, ça sera rajouté au montage. Donc voilà. À bientôt tout le monde. Et voilà, je vais vous montrer où est le dernier petit fragment. À bientôt.